Compatriotes haïtiens frères chums, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Gentil proverbe créole l'andil, tout menti par fond. Après désignation Gary Conille comme nouveau premier ministre pays, c'est comme si Gary Conille, il pas de vin pour l'appel débarquer là avec Thibaut de Poivlin en mail, ces zigzami, ces divisions qui s'imaillent dans mitan conseil présidentiel transition. Claude Joseph, Moïse Jean-Charles, accord 21 décembre, Dr. Louis-Gérald Gilles, yon semblé dormi de yon dans toute négociation qui t'a faite pour partager gâteau. Nous gagnons un premier ministre blanc qui l'a gagné sans filtre dans la rien là, ou pral connaît de A à Z dans comment Gary Conille fait arriver dans tête primature dans le moment n'a parlé à là. Secret à dévoiler, vérité à pas caché encore, faut que la République connaisse. Yon l'autre bon nous gagne ancien sénateur Jacques Sauveur Jean, qui lui-même qui décide de monter au volume dans le dossier sénateur de la République. Ça, gagne pile bagay kap parle, gagne pile parole kap di, dossier Pasteur Moïse, dossier force multinationale. Mes amis haïtien frèchèm, cause yo papiti. Président Kenya, William Ruto, à tout dirigeant américain, yo décide yo même, yo a monté volume nan sous gang, yo a monté volume nan sous bandi yo. Nan moment n'a parlé à la base Kenya, base qui supposé accueillir force Kenya, base en fait est fini. Nous pral menon visitel, rete la wap genye tout détail yo. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification et comme ça wap rete connecté avec nous. Ou pas prater aucun non vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Mes amis famille yo haïtien frèche yo et faut moi dit donc depuis après désignation Gary Conille comme nouveau premier ministre pays tout côté au passé ou monter sur réseau bon vacam ka fait bon vacam nous bon bourdonnement ka bay ka fait parce que dossier choix Gary Conille là li divise opinion publique là. Gen moun automatiquement Gary Conille, yo dou ah ça c'est joueur blanc, ça c'est pion blanc, ça c'est poulet blanc, pas gen doute sou li. Gen l'autre moun ki dou conseil présidentiel transition font bon travail. Dernier goutte bloc pral chavire vazan compatriote haïtien frèchèm, c'est ou même qui supposé connait journée jodian là qui ça qui gagne, qui ça qui caché véritablement derrière décision 6 conseillers présidents sous 7 prend pour yon mette Gary Conille comme nouveau premier ministre pays. Est-ce qu'on te connaît haïtien frèchèm déjà là dans dossier pour choisir un premier ministre que même conseil présidentiel transition ça yon te gagné favori, yon te gagné 3 candidats favoris. Et dans 3 favoris yon Gary Conille de là-dedans. Est-ce qu'on te connaît ça? Eh bien, nous pral bon détail ou pral gagné information yo. Est-ce qu'on te connaît tout? Gen une série de partis politiques dans le conseil présidentiel là qui ont même yo te gen fait choix dans nouveau gouvernement qui monte à la qui poste yo besoin qui est qui direction générale yo pral contrôler etc. Yo te gen toute affaire yo préparé pour yo séparer gâteau pour yo contrôler pouvoir. C'est comme ça. Compatriotes haïtiens frères sœurs, mais bien hier soir, hier après-midi, gen yon information qui a circulé sur tout réseau on voit son audio côté que et député, ancien député Arodo bien-aimé, partisan acharné Ariel Henry, eh bien, il t'a dénoncé poté bourré qui fait sous Edgar Leblanc fils, côté même t'a gagné des conseillers présidents qui toc-toc, qui tabassé, qui frappé, qui fait agression physique et verbale sous Edgar Leblanc fils pour empêcher ou acheminer procès verbal. Yo te réalisé nan moment yo t'a désigné et Gary Conille pour nouveau premier ministre. Parce que d'autant arrêté a pas sorti dans journal officiel le moniteur pour qu'on ait nomination, ka toujours qu'on désignation, qu'on choix qui fait etc. Mais faut li publier pour tout pays, pour l'oppose à bak tout pays parce que là c'est un acte administratif. Pour ça son l'autre dossier. Compatriote haïtien frèchèm, eh bien Edgar Leblanc fils lui-même li réagit Edgar Leblanc fils réagit en compatriote haïtien frèchèm et li fait un post n'a regardé là avec moi qui ça qui dit non post Edgar Leblanc fils en compatriote haïtien frèchèm tout le monde te connaît Edgar Leblanc fils c'est lui même qui président et c'est lui président des présidents c'est lui qui a dirigé conseil là
Edgar Leblanc fils dit par instruction du président du Conseil présidentiel de transition, les documents relatifs à la nomination du docteur Gary Conille comme premier ministre devant diriger le gouvernement intérimaire et à savoir le procès-verbal de la réunion du Conseil tenu hier mardi 28 mai suite aux séances d'audition des candidats au poste de premier ministre et l'arrêté nommant le citoyen Gary Conille seront à la diligence du secrétariat général de la présidence, publié sans délai. L'Edgar Leblanc fils, li fin fait déclaration si là, li fin fait post si là, li fin fait tweet si là. M'pa caché dou bon chalet levé sous réseau a. Chalet a levé sous réseau a parce que te gen tan pendant journée, te gen tan gagné information qui circulait qui dit nèg yo font pote bourré sur Edgar Leblanc fils. Nèg yo font pote bourré sous li Emmanuel Vertiller, Smith Augustin, nou genyen Louis Gérald Gilles, yo kembe Edgar Leblanc fils, yo sakajel et yo fè agression physique, agression verbale. Et c'est ancien député Arodon Bien-Aimé qui fait déclaration si là. Compatriote haïtien frère Sam, Arodon Bien-Aimé tellement dit causé. Eh bien, automatiquement Arodon Bien-Aimé, li fin fait déclaration, hein? Eh bien, genyen des conseillers présidents qui ont même réagi. Mais qui ça veut comprendre? Edgar Leblanc fils, tweet li fait, moi-même, je ne sais pas, il faut nous lire entre les lignes. Pas grand monde qui ne connaît actuellement, c'est Edgar Leblanc fils qui a présidé le conseil. Pas grand monde qui ne connaît Edgar Leblanc fils dans le moment, c'est le président des présidents. Nous tous connaissons. Nous tous connaissons si nous avons une décision qui a pris la ligue de l'acheminer. Et d'ailleurs, Conseil présidentiel de transition, ligue page officielle, li lege des déclarations qu'a fait c'est yo qui fait li. Edgar Leblanc fils, li besoin rappeler nèg yo, li besoin rappeler l'autre conseiller président, c'est li conseiller président principal, c'est li président des présidents et c'est li gen responsabilité pour prendre ensemble de décisions. Nous accepter, nous admet par consensus 6 moun sou 7 voté Gary Conille. Mais qui ça gagne journée aujourd'hui pour gagner tout parler tout chirepit tout totalali tout bouche l'ouvri parce que nous parler pour yo acheminer procès verbal là pour yo publier arrêté pour yo nommer Gary Conille qui soit dit tout déjà te gen tan konnen Moïse Jean-Charles il te dit le besoin ministère intérieur li besoin la douane yo dou parti politique des moun ko Joseph yo dit au besoin ministère affaires étrangères. Kounya a dit tout, est-ce que tu es en entente avec Gary Conille préalablement? Est-ce que nèg yo te gen tan gen une certaine assurance que yo t'a pral bénéficier moso gâteau pa yo wa si yo vote Gary Conille et yo bay Gary Conille vote de confiance, yo accepte par consensus que Gary Conille vin diriger et kounya semblerait-il que Gary Conille sou route pour le fond coup de guidon sou nèg yo. Et par la suite compatriote haïtien frère Chum, en pile question à poser, est-ce que réellement Edgar Leblanc fils s'est trouvé dans une situation difficile par rapport avec agression verbale, agression physique que yo t'a fait sous lui. Cause yo pas petit compatriote haïtien frère Sam. Nous gagnons citoyen ça, conseiller président Sila qui portait nom Emmanuel Vertiller qui lui-même lui réagit compatriote haïtien frère Sam. Mais qui ça Emmanuel Vertiller lui-même lui dit Emmanuel Vertiller, j'en ai regardé là, il démenti formellement enregistrement qui a circulé côté à Odon Bien-Aimé t'a dit que gagne des acteurs politiques y compris Emmanuel Vertiller, yo t'a arrêté pour nommer premier ministre Gary Conille, yo déchiré, yo râlé le nommé Edgar Leblanc fils, yo saccagé Edgar Leblanc fils, yo chiré arrêté etc. Eh bien, Emmanuel Vertiller dit cette désinformation gratuite, malveillante et dénuée de sens a pour but de ternir l'image du Conseil et s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle manœuvre des instigateurs de crise en Haïti. Mais quand il y a une question m'a posé Emmanuel Vertiller ou bien n'importe l'autre allié Conseil présidentiel transition, est-ce que si nèg yo yo t'a fait agression verbale, bon agression physique là, m'pa privé d'agression physique, yo t'a dit yo pral frapper Edgar Leblanc fils. Mais agression verbale là, ti joure, ti voye point, est-ce que c'est impossible? Combien fois conseil présidentiel transition réuni
et puis s'attendre à un paquet de vieux mots sales qu'a dit. You n'a tripé l'autre, you n'a boudé l'autre, you n'a dit l'autre vieux propos. Combien de fois? Est-ce que j'aime mon conseiller présidentiel qui vient prendre micro la presse pour dire mais ça qui t'est passé non? Ça fait dans Karimi. Faut qu'ou gen moun là, faut qu'ou gen moun k'ap suiv, faut qu'ou gen moun k'ap suiv de très près qui pou ta rapporter aux compatriotes haïtiens frères sœurs. Donc journée jodi an menan ki situation pouvoir mete peyi an. Menan ki situation bataille politique mete peyi an. Si réellement nèg yo te gen intention pour défendre peyi, nèg yo te gen volonté pour retirer Haïti dans situation difficile li là. Est-ce que nous tap nan débat ça, est-ce que nous tap nan discussion pour pouvoir est-ce que n'ap jwenn moso gâteau pa nou, si n'ap jwenn moso gâteau pa nou, Gary Koni arrêté par les droits sortis, etc. etc. Eh bien compatriotes haïtiens frères sœurs, après un pile d'informations qui t'a circulé sous comment Gary Koni fait arriver comme premier ministre pays. Est-ce que gen l'argent te ba, est-ce que c'est blanc qui metel? Eh bien premier ministre blanc pa ka kembe encore. Li vin explique pays nan boti marmite qui ça le connaît de dossier ça, qui ça le connaît de situation ça, qui ça le connaît de réalité ça. Eh bien compatriotes haïtiens frères sœurs, on a attendu et gardé ensemble avec moi toute explication, tout détail Jean-Rodolphe Joisil lui-même li a baillé. Jean-Rodolphe Joisil c'est un rare monde qui t'est rapidement réagi les l'apprendre que c'est pas lui-même que conseil l'a choisi comme premier ministre et que c'est Gary Koni. Si frustré, je moi oui, ou pas sorti frustré de l'expérience là comme si c'est octadoué bon ou pas bon son l'autre monde. Non, c'est non élection que nous allé. et ça c'est ça me capable briller en cas. Il est dit en Haïti côté que un premier ministre c'est pas élection. Malheureusement, c'est pas 4 millions 5 millions de monde qui dégain pour voter, c'est 7 monde seulement qui dégain pour voter. Donc OK, non, mais ça veut dire parce que au grand expérience gagnée dans élection, au grand ont expérience de remporter les élections. Bien sûr. Et moi participé 3 fois dans élection. Alors 4 fois. 3 fois comme sénateur de la République, où me gagne tous les 3 fois yo et je dis comme premier ministre, donc j'apprends à savourer le goût amer de la défaite. Mais bon Dieu, qui ça fait ou te prend décision présenter comme candidat? Qui ça te fait croire que ou son candidat déjà bon ou qui capable bon bail comme ça? OK. Non, d'abord qui ça qui te fait et qui te pousse à être candidat? C'est parce que on a regardé la situation pays en journée aujourd'hui. Ouais, un pays qui totalement à genoux. Un pays où les gangs armés pas suspendre, n'est-ce pas vrai, a fait de l'eau courir dans la population. Et un pays côté que toute institution crasée. Nous pensons que le moment est arrivé pour nous être capable de porter un petit calme dans l'expérience que nous gagnons dans le pays. Et c'est ça qui nous motive parce que nous convaincus que nous pas seul monde qui a solution à problème pays mais par le simple fait que nous sommes dans pays nous garder qui ça qui mène nous là les causes profondes de nos malheurs donc à ce moment-là nous avons décidé avancer pour nous si nous sommes capables de faire un coup de main. Voilà qui ça s'est passé est-ce que d'abord c'est quoi son dernier oui L'or est vendant, l'or est ambiance là. Qui sont tes sentis, quelle impression que tu as gagné? Première impression, ah, c'est oui. Que tout le monde qui composait le conseil présidentiel de transition, hein, ce sont des gens avec qui je travaille longtemps dans la politique. C'est tous ces amis. Sans exception. Sans exception. Sans exception, je connais tout le monde. Je c'était une atmosphère de bon ami. Ouais, les conseillers présidentiels, ils allaient et puis une chaise, une table avec micro, etc. Et pour venir passer examen. Pour faire l'exposé de votre vision en accord avec l'accord du 3 avril 2024. Et après, ils soumettent à des questions pour maîtriser le sujet. OK. Yeah. OK. Ou qu'a une question que vous déposez, pas besoin de réponse là. On capable connaître une question, par exemple, que vous déposez, côté estimé que c'est difficile. Il n'y a pas vraiment de questions qui sont difficiles. Pas vraiment de questions qui sont difficiles. Il y avait des questions qui se portaient sur
et les relations haïtiano-dominicaines. Il y avait des questions qui se portaient sur la sécurité publique. Il y avait des questions qui se portaient sur l'énergie électrique, etc. Sur l'état de droit, etc. Voilà. OK. Gagner une sorte de tâtonnement que nous avons observé là, quand le conseil là. Ou bien l'impression que concernant les gons sortes de balbutiements, la tombée levée, et autres, pas gain cohésion, pas gain cohérence, non, c'est abdi, au fin du bagage, je dis, demain, ou changer d'idée, ça pas affecto? Non. Moi-même, dès les premiers jours, je pensais que l'été était extrêmement difficile, que sept bon, pas vrai, qui fort souvent, dans la pratique politique que nous gagnons en Haïti, et depuis que je ne suis pas d'accord ensemble avec vous, c'est l'idée PAM qui peut passer, ce n'est pas l'idée POLA qui peut passer. On a fait l'expérience à travers les KAZEK. Mm-hmm. Ouais, dans n'importe quelle section communale, demander qui est-ce qui est KAZEK, c'est le premier membre. Ou aller dans. Mairie. Dans mairie, dans le magistrat communal, là, l'autre des membres, pas qu'on est. Donc ça veut dire que ce vivre ensemble que nous avons besoin dans la politique pour nous capables d'atterrir, il manque. Maintenant qu'on est là, quand nous arrivons au niveau conseil présidentiel, là, qui a 7 membres, pas vrai, c'est 7 secteurs différents qui, dans le passé, ils ont été opposés à l'autre. Maintenant, ça, nous comprenons que ça prend un petit temps ouais, pour harmoniser, ça prend un petit temps pour être capable de mettre d'accord sur tout ça. Mais nous n'avons pas de temps, ça. C'est ça qui est là. Mais est-ce que vous avez gagné, en plus de Mounio, qu'on considère comme Zamio, est-ce que vous avez l'autre atout dans le monde qui a fait quoi que monsieur a voté pour vous et quoi bon? Qui sort de gagner comme atout? Mon atout, c'est mon dossier. C'est mon passé. On parle de Blondel. Oui, mais tout le monde a dit, même Balantou, il y a un bel passé. Voilà, pour, une belle voilà pourquoi c'est une compétition qu'elle est. C'est une compétition électorale. Et une compétition électorale, c'est ça le dit. Parce que la campagne est faite correctement, contrairement à ça, tout le monde pense. Écoute, il y a des jeunes qui... Comment la campagne s'est faite là-bas? Bon, c'est vrai que moi, il y a des jeunes qui étaient réelés. Moi, je pense que la table prend temps, qui te dit que tu as intéressé. Comment se voit là? C'était une véritable bataille électorale. Son bataille électorale que le Dieu n'est pas comprendre. Dieu n'est pas comprendre. Parce que lorsque son bataille électorale, tout le monde en général gagne. C'est tout un pays, ou bien c'est une circonscription, c'est plusieurs communes. Il y a campagne, mais là, il y a c'est campagne. Donc, ou même on t'est misé un peu sur l'impact de l'opinion. Je vais donner un exemple. L'accord du 3 avril 2024 fixait des conditions, il mettait des critères pour au moins venir premier ministre. Moi-même, j'estime que je me réponds à tous les critères. Nous soumettons 17 pièces au Conseil présidentiel de travail. Déposer 17 pièces. Ça veut dire que je n'ai pas de problème de charge, je vais remettre le rapport de la Cour supérieure des comptes. Je n'ai pas de problème de déclaration patrimoine, j'ai le certificat depuis longtemps que je soumets. Je n'ai pas de problème de résidence, je n'ai pas de problème de nationalité, certificat de nationalité. J'ai déposé toutes les pièces. Mm-hmm. Donc, là, je n'ai pas de problème. Mm-hmm. Et Joazil, ce n'est pas un nom nouveau dans la politique haïtienne. Oui. Donc, moi, je pense que moi, j'ai gagné tout atout bon côté moi pour me dire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, c'est parce que. Non, on peut en dire déjà. Oui, c'est cinq personnes qui sont arrivées dans la dernière carrière. Et parmi ces cinq, on a choisi le docteur Gary Conny, à qui je présente toutes mes félicitations. Mais écoutez, il y a des gens qui ont dit que par rapport à bruit qui t'a couru, il dit que un tel gain international avec elle, un tel gain secteur privé avec lui, il y a beaucoup de cobs qui baillent quand même, ou arrivé loin par rapport à 68 personnes. Pas même sur 68, sur 65. 65, ok. Pourquoi ça me dit 65? Mm-hmm. Parce que les trois premiers dossiers, ce sont des secteurs autorisés qui d'office te gagnent. Est-ce que nous tendez bien, compatriotes haïtiens, frères? Dans cinq derniers, dans cinq premiers ministres bio, Jean-Odol Joazil, qui était parmi cinq derniers candidats en lice, là, il a déclaré que tu as gagné trois dossiers qui étaient sous table d'office. Ça veut dire que le Conseil présidentiel de transition, tu as gagné dans trois dossiers, ça a gagné un là-dedans, tu as gagné un monde là-dedans, tu as validé. Cap recevoir bénédiction, cap recevoir vote de confiance pour venir premier ministre.
Est-ce que m'entendez comment complot, comment mami get là, comment tout bagaille t'a fait en dedans conseil présidentiel transition? On avance. Mm-hmm. Dans 68 là, mais dans 65. Dans 65 dans deux dossiers. Jean-Audouin Joisil et Paul-Antoine Bien-Aimé. Paul-Antoine Bien-Aimé. Ça explique ça. Est-ce que c'est connaissance Mounouyo qui dit ah, nous pas quitter Joisil la terre. Fon Foué, monsieur, dans l'équipe là. Non, moi, je pense que les cinq derniers, ou du moins les deux derniers, pas vrai, Fon, moi, saluer l'ancien ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, qui a un passé vraiment riche, qui connaît le terrain politique, à défaut de gars, il était capable, Paul-Antoine Bien-Aimé, à défaut de Paul-Antoine Bien-Aimé, il était capable Jean-Audouin Joisil, à défaut de Jean-Audouin Joisil, il était capable Gérald Germain, il était capable n'importe qui. Parce que nous avons servi l'État et nous quittons, pas vrai, nous quittons trace nous. Donc, il est trace nous. Donc, moi-même, je pense que le conseil présidentiel de transition arrivait à un certain moment de la durée et il fallait faire un choix. Donc, maintenant, vous allez voir que quand ils doivent faire un choix, eh bien, ils ont tous voté dans la même direction. Pour ne pas retarder les questions. Mais comment expliquer ça? Parce que nous avons une histoire de vote à l'unanimité. Or, il y a des candidats au poste de Premier ministre qui sont désignés par des partis politiques et il semblait qu'il y a des déceptions énormes. Bon, ça, véritablement, je n'ai pas analysé. Et seulement, oui, qu'effectivement, il y a des. Non, mais attendez, bon, excusez-moi, sénateur, je pense au débat, avoir dit non, mais attendez, Gary Conné et. Il y a des partis politiques qui n'en sont pété, hein? C'est pas les, et pas des îles. Oui, absolument. Eh bien, écoutez l'autre monde que. Ils n'ont seulement pas voté. Pas voté pour le monde Payoa, aussi simple que ça. Ils n'ont pas voté pour le monde Payoa. Ah oui, aussi simple. Il y a capable de deux raisons capables d'expliquer ça. Okay. La première raison, il y a doit estimer que dans le débat, le candidat qui a été gagné ne fait pas le figure. Parce que moi, je n'étais pas là. Il y a de nous. Séparément. Séparément. Donc, ça n'a pas privé que le candidat. Il ne fait pas le figure. Et à ce moment-là, son patron décide que lui-même va voter pour lui. Ou du moins, il ne peut pas recevoir des instructions formelles et puis décide de voter pour n'importe qui qu'il veut. Ce n'est pas là le problème. Et ce n'est pas. C'est pas c'est ou pas le blanc. Qui fait mon réagir comme ça. Et on va parler. On est... non, les grands électeurs non, ou les électeurs Non. J'ai beaucoup trop de respect pour ces gens-là. Avec, est-ce que c'est parce que c'est un million ou bien Non. J'ai trop de respect pour eux. C'est pas ça. Et puis. Okay. Et puis pendant toute la... pas gagner dans le monde, ça. Ouais, pas gagner dans le monde. Et puis pendant toute la campagne, c'est vrai, t'es gars fait comme qui t'a parlé. Mais il faut me rendre Dr. Gary Conné justice. Dans la campagne, là, je m'entendais qu'on va parler. OK. Yeah. Maintenant, est-ce que d'après vous-même, Gary Conné, Jean Mounio Dian, c'est parce que les gains connexion avec l'international. Les gains blanc d'elle. Dit que le monsieur était premier ministre, ou bien avant ça, il était à travailler avec Bill Clinton, les Nations Unies, donc c'est l'homme de l'international. Est-ce que vous pensez que c'est en raison de ça qui fait que monsieur réussit pas rien? Allez, dis ça, pense. Pas fait politique avec moi. Le docteur Gary Conné est riche, passé au niveau des organisations internationales. Ouais. Et actuellement là, je crois qu'il est au Panama, il travaille, etc. Et maintenant, nous, nos pays qui totalement à genoux, comme des jours. Donc maintenant, si les conseillers présidentiels estimaient que l'international, pour aller mettre le paquet pour nous essayer de reconstruire le pays. Et si vous rendez compte, pas vrai, que quand vous mettez, c'est d'avoir un monde qui plus ou moins habitué ensemble avec lui. Et puis, ils se sont ressaisis et puis ils ont dit voter pour Gary Conné. Il n'y a pas absolument aucun problème avec ça. Comme Tale, Fonti Kampila. Tale. Je ne peux pas comprendre ça, Oudon Joisil dit là. Si international, là, qui voulait dépenser comme pour remettre Haïti campé, remettre Haïti sous rail, stabilité, sous rail développement, entre guillemets. Si international là, qui paraît pour dépenser paquet l'argent ça, l'État estime c'est un monde payo, c'est un monde qui favorable avec qui au même, c'est un monde qui favori pour yo. C'est monde ça yo t'a choisi, li pa gen aucun problème avec ça. Ça veut dire quelque part Jean-Audouin Joisil li pa gen aucun problème avec interférence blanc dans cause politique en Haïti.
Li pa gen aucun problème les blancs viennent passer l'ordre, les blancs viennent bail dicter. Donc mais au monde qui était premier ministre, au monde qui était candidat pour poste et premier ministre, les compatriotes haïtiens fraîcheur. Dans question politique en Haïti, nous vendons dans jobo pour. Avait dit pas aucun problème que blanc t'a désigné, t'a choisi, t'a imposé Gary Conille. OK, nous comprenons avancer. Parce que moi presque persuadé que c'est une décision qui a été prise au niveau du Conseil présidentiel. Conseil présidentiel là pour raison que pas connaît, ou convaincu de ça. Oui, affaire mon Abdou c'est blanc, c'est là non. Est-ce que vous pensez que blanc t'a capable reler tous les 7 moun yo Imaginer ce sont des adultes, on va pas imaginer. Ce sont des gens qui font de la politique depuis longtemps. Non. Moi plus penser que à un certain moment de la durée, Yoshita yo font réflexion, pas vrai pour dire monsieur, écoutez, nous gros pays qui totalement à genoux, faut nous et mettre pays ça à camper, maintenant nous garder parmi les 5 avec qui est nous capable de vivre beaucoup plus vite. Yo garder Joazil, c'est vrai que Joazil etc. et pas de monde qui reproche, il n'a pas un passé douteux. Joazil, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'administration publique, qui connaît les rouages de l'administration publique. Il fait exercice là avec Paul-Antoine Bien-Aimé, qui a été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale. Il a fait. Mais sauf que, il a beaucoup, paquet. Que Conille a offert à lui-même. Bon, à ce moment-là. Où tu as pensé que c'était seulement, on a dit, du patriotisme qui t'a motivé, conseiller? Et pas que me penser, mais tu as souhaité que c'est le patriotisme qui motive. Et si c'est ça, moi campé derrière Doyo, et si c'est ça, moi campé derrière Dr. Gary Conille pour l'avancement de ce pays. Et côté. Oui, est-ce que vous pensez que monsieur est seulement influencé par l'impact de l'opinion? Est-ce que vous croyez comme ça? Non, je ne sais pas l'opinion a un rôle véritablement que de jouer la dernière, premièrement. Non, parce que si tout le monde a dit que ça a un candidat déjà bon. Parce que écoutez, c'est à chaque heure. C'est à chaque heure qu'il y a des messages qui viennent jeunes nous. Là, c'est un tel, c'est quoi? Ouais. C'est candidat international. Là. Ah, ou genre, il y a une chance, oui. Ah, il y a une chance, oui. Et puis, comme si nous là, on sentit que l'air bonne nouvelle, chaque fois nouvelle arrivée. Bon, moi, à un moment donné, je ne presque pas répondre aucune information sur qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon. Mais quelque part, j'ai comme l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Et je ne vais pas dire que c'est un miracle, mais il s'est passé quelque chose. Pourquoi c'est à la dernière minute, Johnson Dion, que décision prend? Non, je ne vais pas dire que décision prend à la dernière minute. Non, je seulement dit que j'ai été le dernier à être questionné, Bon, si ce n'est pas la dernière minute, ça t'avait dit que ce n'est pas débat que Fermouno a décidé. Ça t'avait dit tout que depuis avant, la décision a été arrêtée. Non, je ne sais pas qu'on est véritablement. Sauf que moi, j'avais rendez-vous à 3h. 3h. L'arrivée, comment ça passait? Très bien, très bien. Expliquez-moi. Bande détail. Non, auditeur public, là, t'as rien connu. T'as une bonne idée. Wowo Joazil, alors pour les intimes, Wowo Joazil arrivé dans CPT1, côté que c'est Mounio qui parle. Décider est-ce que la premier ministre ou le pape premier ministre, comment accueillir l'entité, comment ça t'aille? Oui, pour les bagaille, il faut nous commencer par féliciter le protocole primature, parce que tu es en disposition qui te prend, pas vrai, pour accueillir et les candidats, parce que c'est samedi pour moi. Donc, je pense qu'il est là pour tout le monde. Pour arriver, on vous accompagne au salon diplomatique, les privés, Didier Fils-Aimé, tu es en dedans, je même bien ensemble avec lui, parce que moi j'étais au salon diplomatique, lui-même, il a posé la question, il a attendu. Et après, et vous venez chercher vous. Et vous entrez dans la salle. Quand je suis rentré dans la salle, ces hommes me disent dans la salle. Là, parce que la famille politique en Haïti est très restreinte, tout le monde contre tout le monde. Donc j'ai salué les amis. Non, mais écoutez, bon, Dieu, mais là, bon, ça me comprend ça, c'est normal, vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous êtes ministre de défense, toi. Oui. Je l'ai dit, vous êtes ministre de défense, donc vous êtes bien placé pour le monde. Dans le système, non. Et vous rentrez dans la salle, oui, j'ai salué. Avec respect, les très honorables conseillers qui étaient présents, ils étaient 7. Ouais. Et puis, on m'invite à m'asseoir. Il y avait une table. Mais c'est 7 ou 10, oui? 7, oui. Côtelette de haut. Et Laurent Cécile n'était pas là. Pourquoi? Non, je ne sais pas. Il est malade? Il était malade? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était qu'un droit là? Non, je ne sais pas comment CPA fonctionnait.
Donc, je ne sais pas si tu as un droit par là ou bien si tu as un droit par là. Il y avait la dame. Donc, en tout cas, il n'était pas là. Il n'était pas là. Même avait... ça m'a dit que c'est deux mondes observateurs qui n'ont pas un droit de vote. Yo. Est-ce que vous observez le processus là? Est-ce que vote a fait en dehors de vous parce que vous n'avez pas un droit de voter? Non, mais il y avait un conseiller observateur qui était là. Et ça fait 17. Donc, la dame n'était pas là et le conseiller Laurent Saint-Cyr n'était pas là. Donc, ils étaient 7. OK. Maintenant. Et le président et du conseil a fait l'introduction, il a fixé les règles du jeu, qui vous, et vous faites une présentation, votre vision. Pour rappeler qui m'ennuyait, qui sont cabaye tout. Oui, et puis sur l'accord du 3 avril, et puis l'offre une présentation sur les 5 grands chantiers, ouais, qui c'est... La sécurité, la relance économique, et conférence nationale, élection, réconciliation, élection, etc. Donc, et tous ces points-là ont été abordés. Oui, non, il y a posé une question. Il y a posé une question, on répond. On répond. Mais au même, on est satisfait de tête, on est dans la réponse qu'on a eu. Si on a eu un débat, je dis encore, dans ça qui a eu avec le pays d'Haïti, je suis aussi performant que je l'étais hier. Et m'a satisfait de tête, moi, parce que c'est un pays que je connais. OK. Très bien. Maintenant, si vous satisfait de tête, ou, écoutez, ou compte soit dit, d'ailleurs, m'a rappelé tout, vous avez dit, vous êtes ministre de la Défense, mais vous êtes un avocat. Ou. Oui. Maintenant, sur qui base ou pas élu, vous avez choisi vous. Parce que vous avez gagné, à mon avis, 5 dossiers devant vous qui étaient complets. Et comme vous avez choisi un monde, on a choisi le Dr. Garibani. Oui, mais. Sur réponse une base politique. C'est ce qui base. Wendell. Ok, je vais vous dire. Après l'entrevue, pas vrai, j'ai dit au Conseil présidentiel que vous allez rentrer dans votre cabinet de réflexion pour garder dossier. Vous n'avez pas voté pour yon. Vous sollicitez votre nom parce que vous voulez mettre service et expérience au service du pays. C'est comme ça que je me définis. Et tout est content. Est-ce que après audience là, vous avez un petit sourire, bon côté, vous avez joué. Vous êtes rassuré. Du commencement à la fin, ce sont des amis. Du commencement à la fin. Il n'y a pas de aucune hostilité du tout. Non. Et vous pensez que vous trahissez après? Non, pourquoi? Parce que vous trahissez. Et vous dites que vous êtes paré pour faire expérience là? Si mal présenté devant aujourd'hui, hein, pour non, absolument aucun problème. Ok. Maintenant, la question clé, Jean-Rodolphe Brazil, est-ce que, d'après ou même, excusez-moi, je me pose déjà, encore. Est-ce que c'est international là, qui fait CPT en voter Gary Conille? C'est important. Question moi, important. Je l'ai toujours dit. Mon nom a toujours parlé de international. Non. La note qui est sortie hier, les signes par Conseil présidentiel de transition. Et de ce fait, au niveau du Conseil présidentiel de transition, ce sont des gens qui font de la politique depuis un certain temps, ce sont des gens que je respecte. Donc pour moi, ils ont décidé à l'unanimité de voter pour le docteur Gary Conille sans influence extérieure. C'est ma conclusion. OK. Est-ce que vous pensez un cas de figure comme ça, un scénario comme ça, que tu as deux ou trois personnes en dans CPTA qui sont plus influents que l'autre, ils ont justement imposé, ils ont influencé l'autre monde. Je ne sais pas quoi non plus. Je ne sais pas quoi non plus. Qu'est-ce que c'est quoi finalement? Parce que j'aime comprendre les choses. Et c'est instant de démarrer depuis à 10h avec un premier candidat. 10h, 11h. 11h midi avec un deuxième candidat. Midi. Une heure, c'était avec le docteur Gary Conille sur Zoom. Une heure, deux heures, trois heures, c'était avec Didier Fils-Aimé. Et trois heures, quatre heures, c'était avec Jean-Rodolphe Brazil. Donc, je pense que vous avez regardé, un, étudier le dossier 5 candidats. Parce que pour sortir dans 65, pour tomber dans 23, dans 13 et pour venir dans 5, donc il y a quand même une étude qui a été faite sur le dossier. Maintenant, il y a 5 candidats.
On nous font ti camper et premier ministre blanc là. N'a camper au don Joasil là. L'offre politique compatriote haïtien vrai, c'est extrêmement important et surtout là ces politiciens maton ça veut qu'a parler pour saisir chaque mot dit et apprendre lire entre les lignes. N'a pour faire exercice nous saute faire avant parce que là pas oublier. Non premier moment Jean-Odon Joasil li déclaré te gon présélection qui fait de trois dossiers. Présélection qui fait de trois dossiers, si vous songez bien, conseil présidentiel a retenu cinq moun, cinq derniers candidats en lice qui est sioteye. Gary Conigne, Fritz Belizer, nous gen Alix Didier Fizeme, et nous après yon vin mette deux l'autre moun, un candidat, un conseiller présidentiel prend dossier, un autre conseiller prend dossier et Paul-Antoine Bien-Aimé. Yo vin ajoute de l'autre monde. Si t'as gagné ton pré-sélection, compatriote haïtien frère, si t'as gagné ton pré-sélection, si yo t'as gagné ton koné, gagné trois moun sa yo principalement, yo gagné ton pré-dossier yo. Est-ce qu'on pense là, t'as gagné un véritable travail sélectif qui t'est fait pour yo dire, yo pral étudier dossier, yo pral analyser dossier, yo pral faire dis, yo pral faire date. Est-ce que nous pensons réellement, c'est pas ton travail qui t'est déjà fini, fait et fini, malgré toute démagogie, malgré toute procédure, processus ça, que CPTA même yo te annoncé. Là, franchement, compatriote haïtien frère Sam, Jean-Odon Joasil, il a gagné dans le flou. Il a gagné dans le flou total. Parce que sous quoi, bon travail d'étude de dossier qui fait, mais pour qu'il soit parlé de présélection. Si t'es déjà en présélection, ça veut dire compatriote haïtien frère Sam, il y a moun, j'en ai pris un dossier, ça l'a gagné dans la poubelle, oui. Ou pas c'est mon étude, compatriote haïtien frère Sam, je vous dis là, nous supposons comprendre. Sa conseil présidentiel transition après réglé, tentative, action, yo, mani get tu as fait là pour yon te karive, mette Gary Conigne, et pour yon monte en gouvernement, compatriote haïtien frère Sam, c'est pas si cause lié. Et nous prenons le bas ou des détails. Na fin kite et Jean-Odon Joasil fin explique, fin élaborer, et puis après nous prenons tout détail, tout ça nous connaît. Dans ça qui a passé là. On a. Je pense que c'est cinq dossiers lourds, c'est du lourd. Mm-hmm. Pas vrai? Mm-hmm. Et chaque loi essaye de un dossier li lourd. Finalement, on dit, monsieur, bah, monsieur, que nous parlons bien, tout candidat ça est qualifié, on nous choisit ensemble. C'est ça, me pense. Mm-hmm. Ça, nous pense qu'il peut servir mieux les intérêts du pays au moment actuel. Mm-hmm. Et sur cette base, on a choisi le docteur Gary. Parce qu'il y a un monde qui dit que vous trouvez ça bizarre que vous n'êtes pas encore Gérald Germain, pas dans l'instant tout. Non, finalisio. Gérald Germain était dans finalisio. D'après ça, m'entendez. Alors, publiquement, s'il vous plaît, personne ne pas connaît ça. Non. Et, Mabdou. Et. Parce que je n'ai pas oublié, il était clair que. Après, tu es sur 5 dans le premier temps. Après, on parle dans 3. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce qui m'a été rapporté. 3 secteurs en dans CEPA, tu as 3 candidats. CPT. Mm-hmm. T'as gagné 3 candidats. En dans CPT. En dans CPT, t'as gagné 3 candidats. Il y avait le docteur Gary Conigne que rien t'es proposé. Il y avait Fritz Belizer que Petit Dessalines présenté. Il y avait aussi. Le troisième, c'était qui? Aider. Non. Le secteur privé avait proposé Didier. Donc ça veut dire que dans 68 dossiers que t'as gagné, 3 sont là-dedans d'office. Mm-hmm. Peut-être sans aucune considération, mais 3 sont là-dedans d'office parce que chaque conseiller a un dossier par eux. Maintenant, il était 2 places. Et d'après ça, il y a un conseiller qui avait pris le dossier de Paul-Antoine Bien-Aimé. Maintenant, il était 1 place et on a fait un vote entre Joasil et un autre candidat. Voilà comment Joasil est entré. Okay. Et ça, Mabdoula, c'est la vérité. OK. En fait, d'après ça, on connaît. Ouais. D'après ça, on connaît. Pas de étude de dossier bon. Réel. Si bien comprendre l'expo, qu'on va dans là, il y a lieu de croire que le CPT t'a fait un travail en toute indépendance. Moi, je vais le bénéfice du doute. Quand je dis en toute indépendance, je vais le CEP en toute fleur. Totalement sur CEPA. Pourquoi?
Parce que il y a deux si et pas aller les erreurs non mais il y a deux écarts qui étaient faits que moi-même pas de fin trop comprendre. Le premier, si on a étudié dossier, maintenant nous pas qu'à décider que il y a trois dossiers qu'il a d'office. Voilà, mais ça me tente donc, on va parler de dossier membre CPT. Hein. Oui. Si on dit qu'on a étudié dossier, ça n'est capable d'arriver que il y a un membre dossier, un dossier un membre CPT a introduit, dossier qui ne doit pas être correct. Donc ça, c'est la première erreur, pour moi-même. Deuxième erreur, c'est quand le CPT a annoncé publiquement qu'il va organiser un débat public. Bon, je dis que ça, c'était une stratégie pour qu'un gars connaît à distance. Si c'était une stratégie pour qu'un gars connaît à distance, ils se sont trompés parce que finalement, ils ont fait par Zoom. Non, mais ils ont retourné sous décision. Ouais. Donc moi-même, si je ne suis pas convaincu que je tape qu'un décision, ça, je ne suis pas tape rentrer là-dedans. Je pense que les membres du CEP allaient beaucoup trop vite en besoin. A dit, on est obligé de retourner sous décision. Mais ce n'est pas grave, il faut quitter Baïssa Oudé. Et vous ne pas sentir vous trahi non plus. Bon. Compatriotes haïtiens et fraîcheurs, là, nous espérons comprendre l'exercice que nous souhaitons faire là. Pour qu'on objectif exercice là, nous voulons analyser, prendre petit temps, prendre un petit recul pour garder en profondeur qui s'acquirent les politiciens haïtiens. Discours politicien, il faut qu'on ait une dimension, il faut qu'on mette. Et il faut qu'on mette en position pour comprendre le jeu de la politique, comment ça se fait en Haïti. Et pas seulement en Haïti, tout côté. Depuis cette politique qu'a faite, bouche nègre là, on boit, là, on dit en parole, là, on analyse, là, on décèle, là, on cherche pour comprendre ça, nègre là, dit, ou ouais, c'est tout contraire de ça, le penser véritablement. Non, premier temps, Jean-Audon Joisil doute et gagné. Étude de dossier qui fait. Mais après, elle va venir convaincre tête pi. Pour qui gon étude de dossier qui fait vraiment et puis te gen trois dossiers qui la d'office. Ça veut dire quelque part, dans trois moun sa yo qui te la d'office, à tous les coups, c'est youn nan yo qui tape bon. À tous les coups, si ta gen pour passer, si ta gen pour bon, c'est youn nan yo qui tape bon. Et pas oublier, compatriote haïtien, frèchèm, ça qui te passé depuis 25 avril 2024. Non jour côté que et pas 25 avril 30 avril 2024 côté t'es gagné et élection qui faite pour yo mettre Edgar Leblanc fils comme président conseil présidentiel là qui ça qui t'est fait non jour ça non seulement t'es gon bloc majorité indissoluble BMI bloc qui te gagné et Smith Augustin, Emmanuel Vertiller, bloc qui te gagné Louis Gérald Gilles, Edgar Leblanc Fissan. Pas oublier compatriotes haïtiens frèchèm. Non bloc majoritaire ça, yo te non seulement mette Edgar Leblanc Fils comme président conseil présidentiel transition, mais yo te tout choisi premier ministre Fritz Belizère. C'est parce que conseil présidentiel là, c'est parce que Lavalas a tout et tout accord Montana Alphonse Jean yo te pété coquin c'est ça que te vinn créer un discorde yon goumé yon bouche louvri en dedans conseil présidentiel là qui fait depuis même moment même jour c'est pas yo pas accepté désignation pour yo te même abouti à nomination Fritz Belizière comme premier ministre transition donc journée aujourd'hui dit tout bien. Ou pensez conseil présidentiel transition, ou pensez son hasard, ou pensez c'est comme ça, pour 6 moun sous 7 voter pour Gary Conille, pour yon mette Gary Conille comme nouveau premier ministre transition. Son hasard? Son hasard? Alors que compatriote Aïssé Frèchèm, qui ça te dit? Qui ça me dit nous tout à l'heure? Qui ça me dit nous? Depuis le conseil présidentiel transition monté, depuis leur compatriote haïtien frèchèm gen débat k'a fait pour gon gouvernement qui mette campé. Yo di gon bataille k'a fait en dedans conseil présidentiel là. Gen moun ki di yo pa négocier ministère affaires étrangères. Gen l'autre ki di yo pa négocier ministère intérieur. Gen l'autre ki di yo pa négocier la douane.
Gen lot ki di yo pa negosye BMPAD. Gen lot ki di yo pa negosye Ministère Affaires Sociales. Gen lot ki di yo pa negosye Ministère Planification. Mais si tout moun sa yo gen tan antan yo pou yo separe gato nan sens pa yo, nan sens parti politik yo. Rive antan pou Gary Koni, gon majorite ekrasant kon sa compatriote Ayisyen Fransèm, 6 moun sou 7 vote, 6 konseye prezidan sou 7 vote Gary Koni. Dites tout bien, est-ce que pas gen yon ti bouche louvre, est-ce que pas gen yon ti chita pale, est-ce que pas gen yon ti diskisyon, ti debat te gen tan fèt au préalable? Pour yon entendre yon, comment qui sa Gary Koni kapote en plus pour soupçon politique yon? Parce que pas blie, mette kampé yon gouvernement, conseil présidentiel transition, c'est comme si la gagne pour lever avec action gouvernement. C'est gouvernement qui l'a pour bay respect, qui l'a pour bay résultat, qui place pour délivrer marchandisant. Et si nèg yo te gen ta bataille pour ministère, te gen ta bataille pour direction générale, ou pensez aucun moun là ta pral choisir vote Gary Koni sans que Gary Koni ou bien pas qu'on équipe Gary Koni pas choisir négocier avec yo. Mais malheureusement compatriote haïtien frère Sam, jo négociation préalable yo te fait là. Eh bien, li pa atéri kon sa. Et journée jodi an, ou ap comprendre bien ça fait, gen toute information sa k ap circulé, ki dou gen goumé, gen bataille, gen lobby ki pété dedans conseil présidentiel là, que nèg yo ta même rivé violenté Edgar Leblanc fils parce que yo pa vle et pour arrêter nomination Gary Koni sorti etc. Est-ce que nous comprenons? Bien. N'a dossier politique en Haïti papa, moun ka fè politique en Haïti. Et moun sa yo apprendre nous chaque jour plus que politique le jeu de la politique, son jouet coquin, son jouet mèt damnié. On comprend? Son jouet bouchené bois de l'ossentilier. Et question ap tande moun ap dou, oh, c'est pas blanc, c'est ah! C'est pas blanc. Compatriote haïtien frère chèm, on nous garde poste là avec moi. 19 janvier 2024, nous gagnons des mandats d'amener internationaux. Interpol gagne mandat ça yon mail que juge instruction Adjuniel dimanche, il était décerné des 37 gros autobré, gros palto des personnalités politiques haïtiennes. Eh bien, yo te la gen mandat derrière yo pour qui ça pour corruption, pour trafic d'influence, pour détournement de biens publics, usurpation de fonction, violation flagrante constitution etc. Youn nan moun qui te concerné par mandat d'amener international sa yo, eh bien te gen Gary Koni la dan compatriote haïtien français. Eh bien, notre date 16 mai qui saute passé à là, nous gon l'autre juge d'instruction qui se met à l'embellab, lui-même, lui décide, lui rentre, l'annule tout mandat d'amener, toute ordonnance qui te gagne, qui te rend, et contre Gary Koni. Là, on prend le dîme, son coïncidence? Drôle de coïncidence. Si ça, son coïncidence, eh bien, son drôle de coïncidence. Drôle de coïncidence. 16 mai, oui, compatriote Haïtien Fresham. Juge Merlin Belabi décide d'annuler tout bagaille. Et puis, qui ça vient fait après? Qui est-ce qui remporte la mayole? Gary Koni, nouveau premier ministre haïtien. OK. OK, monsieur Leblanc, frappe. Non, moun kap di, oh, c'est pas blanc, c'est pour un froid, c'est le patriotisme kap primé, ceci, c'est là-bas. Bon, dis non. Un patriote qui n'a conseil présidentiel transition là. Patriote, tu es? Oh, qui les patriotes, moi, yon t'a dit ça, qui les patriotes qu'on a le prédicté dans mes étrangers, dans mes blancs? Qui les patriotes, c'est blanc qu'on baille au pouvoir, c'est blanc qu'on mette au sous-pouvoir? Moun qui patriote, moun qui bataille pour pays, qui défend pays, c'est moun qui gagne comportement, caractère, moun qui pose des actes de révolution, moun qui bataille pour pays, moun qui a senti qui veut changer situation, qui veut changer donnée. Mais pas moun qui prédicté dans mes blancs. Oh! Mes amis, compatriotes haïtien frère chèm, n'avancé, pa gen campé. Nous gagnons ancien sénateur Jacques Sauveur Jean, Jacquito, mes amis, Jacquito dans moment là, compatriotes haïtien frère chèm. Et Jacquito passe un traitement.
Jacquito passe un mauvais moment. Jacquito prend un mauvais passe de l'eau par là, comme un triote haïtien, frère Sam. Et depuis là, tu es à côté avec Pasteur Moïse avec Jacquito, il n'y a pas fini bon même. Et en attendant, gardez ensemble. Et des séries de déclarations, on le fait encore Jacquito lui-même, il continue, il était attaché avec question écraser système dans révolution hein? Et en nous tendez qui ça le porter dans Jacquito je dis. Mon cher, ça qui bon pi mauvais goût dans toute ça m'entreprendre dans la vie son Paul sénateur. vraiment. Vous comprenez? Et mon sénateur fait même frère, famille ou Rayou, quand on dit, hein? Mais c'est pas sénateur Rayou, non, il veut le sénateur. On nous parle avec tout le monde avec Rayou parce que le sénateur, il veut le sénateur. Il y a un problème et puis ça dérange parce qu'au fond, pour qu'ils ne soient pas sénateurs, sénateur, pour qu'ils ont besoin de Rayou parce qu'il est sénateur. Puisque il y a une impression qu'il y a tellement de privilèges et que waouh, privilège, ça c'est mon mérité. Mais des fois, il n'y a pas de facteur. Quand on a dit qu'on travaille pour faire ça ou pas faire tout, il y a des choses qui ne peuvent jamais réaliser dans la vie. Des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas être sénateurs pendant qu'il est au pouvoir. Peut-être qu'il n'y a pas en place là pour comprendre comment la réalité est. Ah, mais chaque grand monde qui a une haine contre moi parce que je suis sénateur, que c'est ton frère ou bien un cousin ou bien un ami, parce que je saisis, et bien il a fait mon rail. Je foutre. C'est pas tellement, non? Parce qu'elle a dérangé mes amis. C'est l'homme qui est ça qui vous pensez qui cause le rail. Il ouvre le sénateur. Là où chaque sénateur pour eux. C'est ça qui fait me préoccuper, oui. T'as quoi le rail au président? Ou pas les gens, tout rail, j'en ai, ou pas changer les gens, j'en ai, le rail. Si je veux parler, ma fille n'a pas, Seigneur. Mais d'abord vous-même, c'est pas le président, vous voulez. Oh, Ariel, bon vieux Ariel. Cette tête-là, j'en ai dit là qui est en place, je ne j'ai dit là. Est-ce que vous avez un avenir avec vous pays? Nous, pas vous mettre ni droite ni gauche. Nous sans les marcher pied à terre, si nous pas apprendre à mesurer. Je me dis ça depuis longtemps. Et bien dit lui, nous, son nation qui gagne pile bagaille pour l'apprendre. Puisque lui refuser comprendre que c'est ou bien droite ou bien gauche. Lui voulait ni droite ni gauche en même temps. Et son situation pour que nous comprenne. Parce que nous sans les ouais, côté la tête tremblé. Je dis oh, depuis 12-13 ans. Je dis encore grand monde, m'a redit encore, si nation n'a pas comprendre que faut qu'ils font choix. Et ce choix-là doit un choix de souveraineté. Ça qui est. Nous avons rapporté pour tout le peuple. Nous avons une patrie pour nous. Moi-même, pas contre ça, pour me dire encore. Moi, je ne sais pas. Vous chantez ou parlez? Je ne vais pas parler, c'est juste encore. Tout ça pour me dire, je dis. Donc, je m'appelle de déranger un bon monde, parce que ça m'a dit, tout le monde connaît. Comment vous faites, Jim, que vous avez un pays tant que Haïti? Comment ça que t'es étonné, l'homme t'es petit, qui fait toujours à questionner, même le monde dit moi-même, en Haïti. Moi, je fais l'histoire et puis je regarde l'histoire de Jean-Jacques Dessalines. Si Jean-Jacques Dessalines t'est mort, là, il t'est mort, c'est ton blanc qui t'est tiré, qui t'est croisé avec elle, dans le couloir qui t'est lâché la machette, nous d'accord. Si Jean-Jacques Dessalines, là, il t'est mort, c'est ton bombe qui t'est sorti dans le bateau français qui t'est tombé sur lui. On a dit qu'il a mouru dans la guerre. Monsieur mouru assassiné, trahi. Monsieur mouru. Et puis m'a cherché. Qui est ce qui accepte de prendre le corps? Non mais blanc pour venir assassiner monsieur. Et la nation même, ça sorti. Le pire, ça fait ton première fois, il fait ton deuxième fois, il fait ton troisième fois. Je viens réaliser que nous avons un problème. Nous ne pouvons pas mettre ni droite ni gauche. Et nous sans les marcher pieds à terre si nous ne pouvons pas prendre les yeux. Donc on ne peut pas se demander qui gens que moi-même t'as souhaité que la nation ça a songé qui est lié. Nous c'est petit Christophe, nous c'est petit Capois. Lors parler de gouvernement, cette tête pour revenir à ta question. Tu vois, c'est une démarche vers le rétablissement de l'esclavage. Et Blanc montre au clair, il y a un consentement de tout le monde. Bien content de vivre là aujourd'hui.
Parce que longtemps qu'on a dit opposition, blablabla. Blanc montre au clair, il y a un consentement tout le monde pour le rétablissement de l'esclavage. Chaque parti représenté, sept têtes. Et chaque son tendance politique qui existait dans 30 dernières années. Moi, je me demande pour me parler. Après ça, pour venir expliquer que ça m'a dit, c'est bagaille, comme si je n'avais pas besoin de dire. Mais regardez bien pour voir que c'est tout le monde ensemble. Blanc montre nous clair que nous avons consentement tout le monde dans une démarche vers le rétablissement de l'esclavage. Est-ce que vous comprenez des forces multinationales, ça, qui a fait. Gâteau sous cerisant, cerise sous gâteau. Ça me perd une force multinationale, petit Christophe, petit Capois. Et ça fait des années depuis qu'il y a fréquenté l'espace là, pas grand chose. Attendez, non, ça me perd. Mes amis, il y a des bagages, m'a dit, mon y a plein de dîmes, moi, on tient avec dans le coup, qui a expliqué que Jacques Sauvage, j'en compte faire des petites déclarations qui semblent. Qui semblent. Regardez, monsieur, me dit, ouais, tu me dis ça, je ne vais pas comprendre rien, hein? Je vais attendre grand monde. Pour mettre tant de son petit qui était comme champion dans l'école libre, il est à la classe première, mais avec les sons, la précité qui dit la grammaire française et l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement le français pendant qu'il n'est pas français. Il n'a rien à foutre de français. Il est haïtien. Et je dis à le micro pour la d'où Jacques Sauvageant qu'on fait des petites analyses, comme si moins qu'on fait des petites analyses, moins Jacques Sauvageant. Bon, je vais des petits barres, je suivi, je dis bon. Attendez, non. Les types, ça, vous mettez dans le panier négatif, dans le fatra. Prends ça positif, parce que vous avez des gens qui ont gardé, vous avez des gens qui ont dit que Jacques Sauveur Jean, de Jacques Sauveur Jean. Qui Jacques Sauveur Jean a parlé là? Il y a des gens qui disent, ah, c'est une tisane à dire, mais monsieur. J'ai bouché, nous n'avons pas parlé d'un nègre là. Et dans aucun monde, nous ne va pas permettre, nous dit n'importe quoi. Mais autant de tout bagaille. Et ceci, c'est parce que vous formez nous. Pour nous parisiens, les gens qui sont forts, c'est les gens qui récitent sa français à dire. C'est-à-dire que c'est une répétition qui fait la folie. Ils refusent de comprendre que c'est lui pour initier, inventer un bagaille. Donc là où inventer, ils trouvent un petit gentil à oser. Et ils sont très jaloux. Succès dérange. N'importe qui dit bon, il dit mon. Monsieur, mon papi, il pas comprendre que la vie a. Là où ils font belle photo. C'est pas mal pour mal habillé, c'est habillé belle. Alors, est-ce que ça qu'on a vu déjà et engager nos batailles côté qui est capable ou à le représenter pour payer même comme par exemple qui fait un peu d'espérance? Tout le temps, en pile bagaille. Moi-même, là, j'étais sénateur, c'était un travail qui était spécialisé là-dedans à chercher pour Haïti, aller au Taïwan, aller au Vietnam. Est-ce que le recherche au contrat? Ah oui, une bonne bagaille. Qui vient ici là, là c'est moi qui ai cherché. Tant coup. Par exemple, dans l'Odesse, le seul exemple, il n'y avait pas la présence des Taïwanais. Ok. Les Taïwanais étaient dans la Tibonite et à Québec. Quand j'étais au Taïwan, c'était ça ma demande auprès du gouvernement taïwanais. Que dans le Nord-Est, dans le Nord, nous gagnons un grand espoir dans la filière agricole qui est dotée de. Nous avons potentialité de 12 000 hectares de terre, donc nous font plaidoyer pour que vous voyez la manière qui vient avec centre semencier, qui vient avec une série d'assistance. Ordinairement, le sénateur font recherche, ils font demande, ou aller au parc Jean-Paul, ils ont avec l'État, le mouvement électricité, encore ces délégations qui sont allées avec le sénateur Sildor pour aller chercher pareil, panneaux solaires, électricité. Donc nous faisons plusieurs voyages au Vietnam. Nous faisons plusieurs voyages au Taïwan. Là, tu as un jury, ou changé, tu as un jury qui est venu en Haïti, tu as pris les jurys là. C'est ça qui okay. Est pas un problème en pile dans la Tibonite. C'est moi encore qui t'as jugé parce qu'au fond, c'est juste mal ou mal interprété ça qui t'est passé là. Même moi, même en tant que planteur de jury, je me suis planté jury. Ça, c'est jury dans la pile. Et je me suis fait expérience zéro rat parce que tout simplement, je me suis dératisé avant de planter. Donc, il y a des bagages que le monde dit la Tibonite, il n'y a pas de connu. Et pour le camarade m'a envoyé au jury à Saint-Paul, prendre poison pour dératiser. Donc, quand tu viens, tu fais des dégâts. Mais regardez bien, vous, ce n'est pas jury qui mange ratio, c'est rat qui mange jury. Donc, ce n'est pas capable de dire que c'est jury qui vainqueur, c'est jury qui victime. Donc, c'est au pays où la guerre est rat. Ouais, donc, une bonne bagaille que je fais. Et au monde qui est un programme que je t'ai cherché, on l'a, il était pour mettre le Taïwan. Qui était, mais malheureusement, que nous devons faire ambassade, nous devons dire qu'on va faire ambassade Taïwan, non. Et puis, bah, elle a été campée là.
que nous avons produit du riz pour nous livrer à Cuba et à Venezuela. Et que tout gouvernement vietnamien lui-même a fourni nous des tracteurs, de matériel, usines pour permettre que nous fassions du riz. Et puis nous avons là, nous-mêmes, au lieu que nous portions du riz à sortir Vietnam pour venir délivrer Cuba qui prend 3 mois, 4 mois pour livrer, nous avons nous-mêmes, Bali, à gouvernement cubain, puis facturer le gouvernement. Des gros bagailles, gros bœuf. Okay. Alors là, si toutefois la population t'a réservé, t'a choisi pour dire que tu vas vous représenter au niveau du Sénat dans la prochaine élection qui peut faire là, comment pour vous choisir ça? Moi, je suis politique en pile, je suis candidat. Pour élu, il faut un candidat. Donc, c'est très difficile de rejoindre un candidat. Mais pas blessé, choisir. Pour choisir, il faut un candidat. C'est très difficile de rejoindre un candidat et je suis politique en pile. Donc, on a toujours joué dans le mouvement politique, parce que nous avons un parti politique qui m'a adhéré à lui. C'est le PAP, le parti des artistes et des paysans. Nous constituons une équipe pour produire ce qu'il faut et prendre en charge destination de ce pays. Mais cependant, nous avons un raï candidat. Comment le PAP a fonctionné? Le PAP. Le PAP. Le parti des artistes et des paysans. C'est le mouvement avec un slogan assez intelligent. Ça comprend en aller. Il ne faut pas comprendre, nous mettons. Mais alors, depuis qu'il est fondé? Ah oui, nous l'avons porté depuis 2018. Le pape. Et il y a un état-major, son bail extraordinaire. Il y a un laboratoire à tête chargée, notre travail. Et au cas où il nous fait des propositions, c'est des bails calculés. Mais cependant, nous avons travaillé avec toute la discrétion pour permettre que nous créions ce plaisir au moment qu'il faut. Et puis, je me dis que Jacques, allons produire un bagage comme ça à la caillou. Et moi, déraper avec l'idée de venir rentrer dans le système non, et puis rentrer dans l'agriculture. Mais c'est musique que j'ai fait. Dès qu'à continuer, je musique. Nous sommes qui tellement. Bon, il y a des gens qui comprennent. Moi, c'est qu'on est à me chanter. Mais ce n'est pas chanter à qui est intéressant. Mais cependant, l'eau. Qu'à mettre à la disposition du pays pour résoudre un problème de nourriture, côté que tout pays a dépend de la République dominicaine, son gros défi. Alors là, et là, où est-ce que canal capable de dire où est la vie, avec où est-ce que les gens vivent tout à fait. Dis-nous, comment package et culturel ce canal là est présenté? Regardez, l'homme a besoin, pour me chanter, c'est ce canal, vous venez. Parce que l'homme petit canal, me chante, l'homme blé. Ça veut dire que l'autre jour, là, nous faisons un petit programme, nous sommes tellement saisis à me chanter. Et pourtant, il y a quelques jours, nous ne pouvons pas chanter. Nous avons des programmes que nous pouvons faire virtuels. Ça veut dire que nous avons chita là, puis nous avons joué côté que fanatique, nous pouvons exposer œuvres. Nous avons près de 30 à 35 albums. Ça veut dire que nous avons chita là, puis nous avons fait un concert un dimanche après. Vous parlez de 30 à 35 albums? Évidemment. Depuis qu'il est, pour commencer à chanter? Le premier album, je me fais là 16 ans. Mais la musique que je m'a parlé, c'est des musiques que je fais 12, 13, 14 ans. Mais c'est un gars qui a battu bravo pour moi depuis dans le trip, maman. Un bon trip qui a battu bravo. Je me sorti, je me suis battu bravo, je m'a chanté. Comment tu comprends une réaction ça, qui t'a fait entrer dans la musique? Mon cher, il était en Haïti que tu as besoin d'une nouvelle voix, d'une version d'un monde positif. Donc, on pas besoin de demander des messages, mais c'était assez intéressant. Avec des musiques, tant que nous, pas les mettre ni droite ni gauche. Ça décrit une population, une nation, comme si Mkadou, qui est indécis, qui supposait prendre destin en main. Nous, petit Christophe, petit Capois, petit Jean-Jacques avec toutes les autres, nous pas de rester bois croiser les nos pays, nous, hop, oh, après qu'on rappe tout. Je ne sais pas si je comprends si c'était ça. Mais cependant, fais-moi confiance que musique ça, c'est des musiques mélancoliques vers les années 85-86 qui t'a fait succès. Et oui, éloigné, me fait me déchirer. Da, m'oublier, moi. Mais qu'on est là, il fait juste dans infidélité. Nous prenons goût infidélité, est-ce qu'on ne peut parler de l'amour? Si seulement c'est l'amour, ça il n'y a pas l'autre que sincérité. Qui sort penser que nous manquons. Est-ce que chaque musique ça a ou composé à peut-être si on bagaille qui passait et puis ou retracé? Infidélité, son bagaille, son sujet m'a besoin de dénoncer même. Trop hypocrisie. On a confondre infidélité avec sincérité. Je ne peux pas régler un bagage avec un monde et puis pour mettre l'autre monde qui en dehors là-dedans. Action à poser, à regarder que Brian Mavo. Il est très sincère. Et c'est le relais infidélité. Et voilà, compatriotes haïtiens frères et sœurs, nous sommes dans le petit mamite. Toute explication, tout détail que l'ancien sénateur Jacques Sauveur Jean lui-même
li ta baye sou kesyon politik nan la kou peyi d'Haïti. Yon lot fwa ankon fòk mwen di ou aborde kesyon fòs multinasyonal, aborde kesyon konsey prezidansyè a transisyon se enpòtan. E nou genyen la ankon, nou genyen Star Kenya ki kontinye yo a fè propagande nan bò pa yo pou fòs multinasyonal. Star Kenya de Star Kenya se yon media nan peyi Kenya kote ke yo kontinye a fè, yo kontinye a pataje les enfòmasyon sou fòs multinasyonal la, kote ke o troup Kenyan yo, yo ap gen pou yo asyre sekirite pale nasyonal, yo ap gen pou proteje port, yo ap gen pou proteje aéroport, e gran l'hôpital yo, principal otoroute yo, etc. E si nesesèr, si yo sonje, yo akompanye, yo aide la polis, yo a deploye avèk la polis nan diferan et l'autre zone, l'autre commune, département et pourquoi pas si yo ta sollicité yo ça. Donc moi me toujours aimé dire pays nous c'est pour nous. Lò gen la kayou ou pas propre la kayou, ou gen la kayou, gen petit ou pas bal manger, ou kite se moun de yo k'ap bali, et bien moun de yo k'ap bali, c'est li k'ap passe l'ode, c'est li pas étonnant, pas étonnant pour matin on prend moun k'ap nourri petit ou k'ap habiller petit ou k'ap take care petit ou on bon matin l'anik vini la kayou. Li di, li mette petit la devan, di, al cheche Baptiste ou, ale, al cheche ak de naissance ou, kite kay la vin viva vem net. Parce que automatiquement, pas assume responsabilité ou comme parent, comme grand moun. Eh bien, c'est tout normal pour kabrit rentre dans jardin ou, pour yon manger jardin ou, pour yon poupou dans jardin ou, et puis pour yon aller. Donc, journée jodi, yon fok nou konne ki yes nap mette dans te pays an. Ki yes nap mette dirige pays an. Qui est-ce nous wè qui ka camper défendre intérêt paysan, défendre intérêt peuple haïtien? Nous bouquer avec machine pays, nous bouquer avec patrie poche, nous bouquer avec des séries de politiciens, des séries de nèg sans colonne vertébrale qui pas camper défendre intérêt Haïti, qui pas camper défendre intérêt paysan. À quoi bon pour n'après les monsieur tel homme, monsieur le ministre, monsieur le sénateur, monsieur le député, madame la ministre, etc., etc.? Wap bayo titre, wap bayo grade, wap yop jouri privilège, wap paye kay, wap paye deuxième résidence, wap paye machine, wap paye perdiem, etc. Et au final, wap gade pour qui résultat? C'est territoire perdu. C'est gang kap mette nous dehors. C'est bandit kap vale terrain. C'est instabilité, c'est ingérence internationale, c'est pays voisin nous. Kap pou pou na assiette voye ba nous. Pour qui résultat? Bon, pour qui ça m'oblige? Pour qui ça journée aujourd'hui on m'oblige à dépenser volume l'argent dans politicien ça yo alors que yo pas ka régler un merde yo pas ka résoudre problème non compatriote haïtien frache nous ka penser c'est blague bon m'bra le montrer nous un dernier bagaille là m'bra le montrer nous un dernier bagaille là ou bra le dit tout est-ce que tête nèg ça yo bien conseil présidentiel transition hier moi wè yo sorti bilan. Yo, m'di moun sa yo tèt yo pa dwat. M'di son pa kèt gran moun, men son pa kèt gran moun san ont yo ye. M'ba yo le gen. M'ba yo le gen, non, m'pa ka fè fò. M'pa ka fè fò compatriote haïtien frè chèm. Ki sa conseil présidentiel transition wa, yo rive prezante kòm bilan on mwa yo sot pase nan tèt peyi a. OK, m'bra l montre nou. Voilà. Nou pare? OK, an ale. Le conseil présidentiel de transition fait son bilan. Yo fait bilan yo compatriote haïtien frèchèm. Et qui ça qui dans bilan si là? Eh bien, conseil présidentiel de transition, yo dit pour premier mois yo passé dans tête paysan, yo fait yo participer dans prolongation, yo bail prolongation mandat avec juge qui dans CSCCA et CSCCA cour des comptes du contentieux administratif. Yo prolonger mandat moun qui dans comité passation marché public yo CNMP. Yo continue yo dit yo fait processus nomination premier ministre. Yo continue pour yo bail bilan yo dit yo réaliser deux conseils des ministres. Yo continue pour yo bay bilan yo di yo rétabli état d'urgence sécuritaire là. Yo continue pour yo bay bilan yo, même moi même j'ai un sentiment fatigué. Yo continue pour yo bay bilan yo di yo célébrer fête drapeau à 18 mai 2024 passé. Compatriote haïtien frère Sam,
jusqu'à date, jouk nan moment n'a parlé à là, mais ça yo gagne comme bilan et puis gros projet yo a travail là, puis gros projet conseil présidentiel et transition a travail et bien yo pral faire assainissement et métropolitaine là. Mais qui ça qui bilan? Yo conseil présidentiel qui installé, qui vini pour résoudre situation d'urgence. Situation d'urgence n'a confronté là, c'est insécurité, c'est la richesse, c'est pas qu'à circuler, c'est pas qu'à vivre dans pays où. Et puis mais qui ça monsieur Damio yo dit yo même yo réalisé. Conseil des ministres, rétablissement état d'urgence et fêter drapeau, assainissement. M'attend de côté yo dit la richesse a baissé. M'attend de côté yo dit sécurité rétablie. M'attend de côté yo dit et yo accompagner la police etc. Yo gen tan gros mois là, n'a paye yo, n'a ba yo, y a joui privilège, y a bien passé. Pas dans tête y a passé nous. Et pas nos bêtises y a passé, nous bêtises ça yo compatriote haïtien franchement. Adjo. Bon ça pas qu'on finit là. Ça pas qu'on finit parce que même moun sa yo encore compatriote haïtien franchement. Et hier te gagne visite qui t'est faite. Nous gagne Leslie Voltaire. Bon monsieur ça sont pas capable allier. Leslie Voltaire littéral visité et base militaire qui pour accueillir force Kenya. Donc Il était aux anges parce que Simkawe c'est comme ça Leslie Voltaire fait ba yo. Moi franchement elle me dit nous nèg sa yo trop attaché à blanc et va menti. Yo attaché à ti blanc en pile. M'bral permettre nous une idée, m'bral permettre nous garder ensemble avec et parce que faut nous ka wè en détail. Voilà. Nous avons Leslie Voltaire, compatriote haïtien Fresum. Et là, nous avons une base qui a construit. La base, ça, c'est fini. Nous avons construit une base pour force Kenya, pour accueillir les policiers Kenya qui ont pu venir là très bientôt. Mais la base, nous avons fait un bel espace pour étrangers et puis les policiers, nous, soldats militaires, la médaille d'Haïti, nous avons dormi dans la crasse, nous avons dormi dans la fatra, nous avons dormi dans la pinaise. Pour état mat la nèg sa yo a coucher policier yo policier yo a coucher ba ite chargé oui bagay ou pa ka même met ton cochon dormi zouli non et sou yo nèg yo policier a dormi et sou yo militaire l'armée d'Haïti yo a dormi oui et puis nèg yo vraiment inquiet pour t'al visiter dortoir pour t'al visiter et service sanitaire pour t'al visiter espace médical etc. Mais ça wè moun yo eh? Moi même son j'aime dit nous c'est nous pour bataille pour nous faire la caille parce que nèg ça pas rien sérieux à venir régler pour nous pas rien sérieux à régler pour pays à compatriote haïtien franchement et bataille pour pays moi même toujours dit plutôt miser dans route nous porter bonne nouvelle parce que nous ouais et la caille nous petit proverbe qui dit trop pressé pas faire jour ouvri les n'a courir n'a porter bourré puis devant nous cal casser dedans nous gal monter sur récif et c'est ça qui plus gros échec. C'est ça qui plus gros échec toute bataille n'a mené. Toute bataille mon a fait, tout effort, tout sacrifice soit fort supposé calculer 1 2 3 4. Mais sous trois pressés, on tomber, on cracher tout dans en bouchou, mazora. Donc la bataille là, bataille pour changer système là, bataille pour craser système là, bataille pour mettre l'autre Haïti en campé, il mande stratégie, il mande analyse, il mande tactique, il mande bon sens, il mande intelligence, il mande persévérance, détermination. Vous comprenez? A toujours un petit vagabond politique ça yo, a toujours une traite politique, a toujours un nèg k'ap bay coup de poing dans dos, mais faut nous même qui c'est peuple conscient, faut nous connait ça nous voulons et faut nous connait gère série de sacrifices là nous pare pour le faire pour payer, li ka mené nous très très loin. Compatriote haïtien franchement, c'est là n'a mettre un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Hein? C'est un véritable plaisir pour nous te partager moment si là avec vous. Restez connecté à channel là pour cette programmation. Hein. Rendez-vous, hein. C'est dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial nous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, M. Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick.
pas le faire débat, c'est toujours même Yannick, l'homme, même voix. On y est.